80 mais 90 patates, 100 patates. Oh merde. 100 patates. Je vais avoir 100 patates. Oh, 100 patates. Bonsoir chérie. Nous ne vous avons pas attendu, nous savons d'où vous venez, Didier. D'où je viens? Votre rendez-vous. Le décès de votre mère. Je l'ai appris par l'une des caissières. J'apprécie votre discrétion, mais vous auriez pu nous en parler. Ça vous aurait soulagé. Oh, ce n'était pour moi qu'une simple formalité. La pauvre femme est morte dans le dénuement le plus total. Pas d'héritage, bien évidemment. Est-ce bien le plus important? En effet, la pauvre femme. C'est bien la preuve que la France aurait mieux de s'occuper de ses propres misères, au lieu d'aller jouer les bons samaritains à l'étranger. C'est sûr qu'au lieu d'envoyer du monde sur la Lune... Ah mais c'est pas la question, Geneviève. Seulement en France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons à rien, les parasites. J'ai pas raison. Mais si. Votre Colin, avec ou sans patate? Sans patate. Non, sans rien du tout, pomme de terre. Et ça rapporte à qui tout ça, hein? Je vous le demande, au Métèque, au Bico, au Rastaquer, j'ai pas raison? Mais si. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, mon cher Didier, votre famille aujourd'hui, c'est nous. Dites donc tous les deux, là, faudrait peut-être lui trouver une date à ce mariage, hein? Charles-Henri, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oh, ben depuis le temps qu'ils vont chambre à part, ça doit bien les démanger un petit peu, non? Charles-Henri. Non, pas du tout. Bon, ben ne précipitons pas, mais songeons-y, hein? Je n'arrive pas à précipiter, mais je songe beaucoup. Mais toi, dis quelque chose, parle enfin! Enfin, Charles-Henri, laisse-la, c'est une enfant. J'ai pas très faim. Ouais. J'ai peut-être besoin de prendre un peu l'air. Ah oui, après cette rude épreuve, je comprends, oui. Un petit scrabble, ça vous remontera. Non, je préfère sortir choupette. Ah oui, mais j'ai droit à ma revanche d'hier soir, dites donc. J'ai eu du mal à digérer vos 70 points, là. Avec quel mot, déjà? Homicide. Ah oui, c'est ça.